envie de le rencontrer M. François Isgon, assisté de Stéphane Abelard et de Jérémy Milliard, et le délégué officiel M. Coulier. C'est encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais encore 2 points de perdu ici à l'extérieur, à Valence. On a une première période qui est encore une fois totalement à notre avantage, où on se crée pas mal d'occasions assez rapidement dans le match. On a, je pense, le contrôle, la maîtrise, on déroule bien, les garçons se trouvent facilement dans les espaces, on leur pose énormément de soucis et on n'arrive pas à concrétiser malgré quelques situations et des mauvais choix, de derniers gestes, des frappes mal ajustées, le gardien aussi qui fait de belles parades. Donc voilà, on sent que le match est à notre main et puis on est assez confiant à la mi-temps. Ensuite, on redémarre cette deuxième période avec beaucoup d'envie aussi. Et puis là, on perd un petit peu plus de ballons qu'en première période. Mais bon, on est toujours présent et on essaie d'accentuer notre domination, notre pression sur le but adverse. On le fait par moments, on se crée encore quelques situations. Eux, ils ont une frappe qui est dangereuse aussi. Et puis à la 93e minute, on a l'opportunité pour asseoir notre victoire. Et encore une fois, on fait le mauvais geste devant le but par maladresse, il faut se faire un petit peu marabouter. Je ne sais pas ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'on marque des buts, parce que là, ça devient compliqué. On n'avance pas non plus, même si c'est encore un bon résultat à l'extérieur. Comptablement, ça fait qu'un point de prix. Je fais le geste parfait. Après, voilà, je vois un peu avancer, j'essaie de lober. Je jouais devant avec Saïd, donc on a essayé de se trouver, on a eu pas mal d'occasions chacun, mais soit le gardien faisait des arrêts, ou soit on n'a pas été assez précis pour marquer, donc c'est vraiment dommage. On a fait une très bonne première mi-temps, où on a dominé du début à la fin, ils n'ont pas été dangereux. Il nous manquait peut-être juste un but en première mi-temps pour justement montrer notre domination à cette équipe de Valence et leur mettre un petit coup derrière la tête. C'est pas forcément des arrêts compliqués à faire, mais il faut quand même les faire. Et avec la défense et toute l'équipe, on n'a pas pris de but, c'est le principal aujourd'hui pour nous.